absente de l'anniversaire d'Emine, tension avec Alan, Victoria, Carla, mais saine balance. Découverte en 2020 dans les Marseillais aux Caraïbes, Mehsan Akyol est aujourd'hui une candidate de télé-réalité incontournable dans le paysage audiovisuel français. Malgré sa menue corpulence, ce petit bout de femme est une vraie tornade. Punk lens iconique. QI 247 dont elle ne cesse de se vanter, clash avec les candidats, le personnage de Mehsan est du pain béni pour les productions. Si les fans de télé-réalité se sont passionnés, puis épuisés, suite à sa relation tumultueuse avec Alan Gedge. Actuellement en guerre avec son cousin Kevin pour sa coucherie avec Belle, la jolie brune vit une nouvelle histoire. En effet, Mehsan et Emine se sont mis en couple dans la bataille des clans, actuellement diffusée sur TFX. Alors, où en est la relation à ce jour? Elle répond à toutes les questions de ses followers. Récemment, Mehsan a fait beaucoup parler d'elle pour avoir publiquement clashé Belle Longwell. En plus d'avoir couché avec Kevin Gedge, le mari de son amie Carla Moreau, la sulfureuse brésilienne et l'ex d'Alan. D'ailleurs, Mehsan a récemment fait une gaffe en taclant Belle dans sa story publique. Mais revenons à son couple avec Emine. Pour la première fois, Jazz Correa fait participer son assistant à un tournage. Sérieux et attendrissant, Emine plaît à Mehsan. Elle devra pourtant prendre ses distances avec Alan Gedge afin de démarrer cette histoire sur de bonnes bases. Sortie de la villa de la bataille des clans depuis plusieurs mois, Mehsan et Emine s'affichent toujours ensemble et plus amoureux que jamais. Alors, pourquoi la jeune femme n'était pas présente à l'anniversaire de son chéri à Dubaï? Elle répond cache à sa communauté, j'ai été invitée, mais je pense que c'était bien qu'il profite de son anniversaire avec ses amis à 100%. Si j'avais été là, ça n'aurait peut-être pas été pareil. Et puis, j'ai l'intention de rester avec lui pour ses 90 prochaines années. Donc on aura l'occasion de rattraper ça. Dans les derniers épisodes de LBDC, Emine reproche à Mehsan sa complicité avec son exemple. Alors, comment sont ses relations avec Alan aujourd'hui? Elle répond toujours aux questions de ses abonnés, « J'ai dû mettre une distance par respect pour mon couple. J'ai compris que c'était le mieux à faire. Mais, je sais que si un jour, il a un problème, il pourra toujours compter sur moi. » Concernant Emine, elle précise qu'elle est en train de le convaincre de venir passer plusieurs semaines en France. Par la suite, elle le rejoindra à Dubaï. Concernant ses amitiés féminines, Mehsan assure que Carla est toujours sa BFF, Best Friend Forever. Qu'elle connaît Shahan depuis l'âge de ses 7 ans, que ça va avec Victoria Meo. Mais qu'Héloïse Laure est un follow du jour au lendemain et l'a laissé en s'abonner en retour. Donc j'en déduis que ça ne va pas du tout, conclut Mehsan. Dans les derniers épisodes, Jazz a bien du mal à laisser son assistant fricoter avec Mehsan, dont elle se méfie. Les tensions sont-elles apaisées maintenant? Elle fait des efforts, je fais des efforts. Donc ce n'est pas invivable. En soi, on n'a pas besoin de se côtoyer plus que ça. On fera des efforts toutes les deux pour ne pas tracasser Emine Star, se conforte la candidate. À propos du tournage de la bataille des clans, elle confie que cela a été très compliqué et désagréable dans l'ensemble. Sauf quand elle avait la piscine pour elle toute seule.